Salut YouTube, c'est Iris, ton YouTuber et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis avec mon frérot Yoka, il est GM sur Akali, c'est un excellent joueur d'Akali comme tu vas pouvoir le voir dans cette game. Là c'est une game champagne, c'est que du spectacle. Akali, le meilleur midlaner du jeu, on le sait, c'est extrêmement fort, c'est Picouban, pareil en compétition. Et on te montre le stuff qu'il faut faire, comment la jouer, c'est que du plaisir. Laisse un petit like, un petit commentaire, va t'abonner aussi à la chaîne de Yoka qui est dans la description, voilà si tu veux voir jouer Akali Kiana, très gros champion. Et merci de regarder le contenu, si tu laisses un petit commentaire je te réponds, je réponds tout le temps à tout le monde. Parler des runes, est-ce que tu peux me montrer un peu les runes d'Akali maintenant pour cette saison? Ok, donc t'as plus, on va dire t'as 3 pages de runes, voire 4. Okay. Première page de runes c'est celle avec jeu de jambes, généralement quand tu as jeu de jambes toujours tu vas se résolve en second. Ok, dans quel cas tu joues résolve, tu joues jeu de jambes pardon. Alors moi je joue pas souvent mais dans les matchups vraiment hardcore comme Wai Leblanc ou même Teemo tu vois. Enfin pour les raids en général le jeu de jump c'est bien. Ok sinon t'as les... Electrocute. Hardcore badass t'as Conqueror aussi. Ok. En deuxième ça change pas généralement. Sinon t'as Elec, moi c'est ma page préf. Tu vas jouer Elec là ou tu vas quand même jouer Fleet? Moi j'ai joué Elec. Ça c'est vraiment parce que c'est personnel mais en vrai Fleet Footwork c'est ouais, meilleur contre un Teemo. Contre un range, ouais. Ok, on a Akali, un bon match-up au mid. Un bon match-up. La plupart des joueurs d'Akali, enfin, généralement, on me dit souvent ouais, comment tu joues contre Malzahar et tout. Parce qu'apparemment, c'est un match-up qui est pas aimé. Là, je vais vous montrer. Le truc, c'est que faut surtout abuser de leur lead. Après, à partir du niveau 6, c'est bonne chance. Parce que bah si Malzahar a un jungle, bah c'est FF, quoi. Ok. Comme histoire. Hein. Le plaisir de jouer contre un TP Akali. Bon, le problème, c'est qu'il y a un monde où il joue ultra safe, du coup. Il a trop la rage. C'est un monde où il joue ultra safe le Malzahar. Ils savent pas qu'ils sont devant 500 viewers. Ok, niveau 1, le niveau 1, il est très très fort. Il faut savoir l'abuse. Donc toi t'abuse là, tu... Oh putain, ouais, est-ce que tu lui mets? Aïe. Après t'as mis un bon trade aussi. Hein. Ouais, mais tranquille. Ouais, moi le truc c'est que je joue Ignite et que... Une fois que je suis genre level 2, level 3, pouvoir lui faire des trucs. J'ai encore deux potes. J'aurais dû voir dans 1 minute 30 les corbins mais... Ouais pour savoir où était le jungler adverse. Yo Arthurion, bienvenue sur... Enfin yo BG. Ah là tu gagnes jusqu'à quand tu gagnes le match-up? Jusqu'à quand? Bah jusqu'à tout le temps, tant qu'il y a pas Karim. Ok. Bon le truc c'est qu'il veut pas press E sur la wave, je sais pas pourquoi. Malzahar qui prend pas la prio c'est bizarre. Je pense qu'il se chie dessus hein. Ouah ce que tu lui mets. Tu crois que je fais ou pas? C'est... Et en gros, je fais ça en boucle jusqu'à avoir le létal et à ce moment-là, je le surprends avec un combo. Ok. Si je touche le E, par exemple, là, je... Là, tu le tues. Je peux presque le tuer, ouais. Si tu prends l'avantage, après, une fois que t'as le Storm Surge, c'est un massacre. Ouais, c'est ça. C'est quoi un stuff complet d'Akali? C'est quoi? C'est Storm Surge, Proto? Proto, Zonia... Ça dépend les games. Shadow Flame aussi. Ok, nickel. Là, il fait ça, je vais pas casser ses bêtes, je vais le laisser push. Ok. Et le but, en fait, c'est que ce serait bien que la wave soit à peu près ici, là. Ah, il va recall, là. Ah, il recall. Moi, je vais juste le freeze. Ah non, il recall pas, ok. Ouah, je suis shockbar du trade que tu lui mets, hein. En fait, faut pas être timide avec le champion. Ouais, faut en abuser, quoi. Attends, mais il est ouais, nickel, là, il prend aucun XP, il perd tout, là. Ok, je vais juste le flash-in comme un golemon. Tu as le flash-in? Okay. Ouais, lui il va flash out normalement. Ah, même okay, pas. Bah, il meurt non? T'attendais pas, ouais, il meurt normalement. T'attendais pas aux dégâts. Genre vraiment, ça surprend les dégâts. Et je vais laisser la wave ici. Mais en fait, le truc c'est que même s'il back, il a TP, il aura pas le temps de push ça assez rapidement normalement. Ouais, tu prends un avantage de fou là. Bon, ça commence bien 1-0 pour l'instant. Alors, Akali c'est vraiment un perso. Là, tu pourrais 1v9 cette game ou pas? Bah Malzahar en fait, c'est ça le problème. Si Malzahar joue correct, bien. Là il va te R en fait, il va te presser et... C'est ça. Wouah les trades que tu lui mets, mais il peut rien faire. Et en fait... Vas-y pardon. Le truc qui est fort avec Akali, c'est que les gens ne savent pas jouer contre Akali. Genre okay. Là ils respectent pas mes Q-spells, ils respectent pas ma smoke. Par exemple quand je joue des fois, à l'époque, à mon prime, je taguais souvent des bons midlaners, des joueurs pros. Ouais. Bah eux savent jouer autour de mes CD, savent me zoner, savent... Ok. Enfin c'est beaucoup plus dur de leur toucher un Q-spell. Bon ça reste le ou l'un des meilleurs midlaners du jeu actuellement. Ah tu peux le tuer niveau 6 ou c'est chaud?
Ouais, large. Par contre, il a encore son flash, ça on le sait. Ouais, il peut rien faire, Miskin. Je vais le freeze tout simptement. La lane, elle après, est où ma botlane va servir pour dive. Oh, ma botlane. J'arrive. Et quitte à perdre une wave, là je vais sacrifier. Ok. Là, c'est un pari que je prends en gros. Ça passe, c'est incroyable. Si ça passe pas, c'est. Tu peux all-in. Ah bah, oh, ça y est aussi, frère. Ils font quoi? Je vais devenir fou, moi aussi. J'avoue que là, ils ont trop de fou. Je pétais un plomb. Ok, par contre, lui. Ah, là, par contre, il est mis pause là cette fois-ci. D'accord, frérot. Ouais, là, il a flash, ok. Ouais. Il avait pas de mana pour le R. J'avais pas la data à 100%, mais normalement, au vu de sa barre de mana, j'étais en mode, ok, normalement, il peut pas multi. Parce que là, s'il m'avait ulti sous toi, je serais mort. Par contre, t'as pas beaucoup de CS, mais là, tu prends son flash, et cette fois-ci, ça va être terrible pour lui pour le reste. Prends tout ce que tu lui mets. Ouais, c'est ça. Niveau CSing, je suis pas trop. Après, ouais. Après, en fait, j'ai plus un gameplay solo queue, full bagarre, full. Ok, full ouais, t'as pas un gros CSR. Ok. Non, du tout. Et je vais aller l'aider, lui. Oh, il est mort. Oh, il est passé niveau 6 en plus. Donc là, normalement, il va passer par là. Je pourrais prendre des plays. Back. Bah, ça m'étonnerait en vrai. Oh, je t'ai mal indiqué. Ok. Bah, lui, il est mort. Ok, huge. Ah, mais celle-là, elle t'a désactivé, c'est plutôt cool, non? D'accord. Ah. Ça va, en vrai, fine les dégâts du champ, c'est cool. c'est fine les dégâts de Akali en vrai, no joke, c'est fine en vrai, c'est cool, ça fait plaisir. Quand tu l'as Akali, faut savoir quand même être. Parce qu'en fait, il y en a plein aussi qui mettent vraiment jamais les auto-attaques, et ça fait vraiment toute la différence. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça envoie quand même. Ouais, ça tabasse. Il t'aimait vraiment très très fort, mais. Enfin, ça dépend les games, parce que parfois tu fais vite rush des résistances, enfin, okay. Un item défensif. Il a un ulti, donc là je vais pas rentrer dans le fight tant que l'autre il a pas presser. Ok. Genre vraiment, genre le champion me désactive littéralement donc. Bah c'est un anti-carry Malzahar, c'est fort pour ça. Ok, huge. Pas vite que je smoke. Ok. Ok, nice. Okay. Oh les problèmes. Ah, c'est sans faire one shot et mes deux camarades. Ah, c'est tellement close. Oh, bien joué. Okay, ça va. Nice. Putain, tu t'en sors bien joué. Hein. Oh, c'était... c'était close en vrai, hein. Putain, c'était close de fou. C'était close, dommage. 5-1, bah en vrai, c'est pas mal, tu prends 2 kills sur ça, ça reste quand même mort, je pense. Ouais, c'est cool. Bon, là, par exemple, je vais le surprendre, tu verras. Ok. Wouah. 2 Q mid HP, ça me met très très bien. La gonade à Kalitop, c'est toujours viable. Encore une fois, si tu la joues bien, c'est fort, quoi. C'est toujours pareil. Ah. Et... Tu tues les deux non en plus? Avec un ulti? Ouais, avec un ulti je tue les deux. T'es tellement huge mec, c'est une folie. J'attends, je rêve du Storm Surge là. Ah, il peut pas s'avancer. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il peut vraiment pas s'avancer quoi. Oh, dommage. Oh le. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là en gros, il a flash mon R2, du coup il est pas mort. Ah ok. Après j'ai un peu misclick parce que normalement je suis censé sortir de l'arène de la tour ici. Mm-hmm. Donc je suis pas sorti, du coup bah la tour elle a continué à stack. Ouais, ouais parce qu'il t'a mis 300 dégâts, je suis mort. T'as rien mis mec. Bon là c'était un peu... Bah ça se tentait mais c'était greedy ouais. Ouais c'est après, ça. Après je pense que t'aurais l'assist mais pas du tout. Après t'as team win c'est bon. Oh, après Osef. En soit vu que tout à l'heure je suis mort, en fait le truc c'est que... Ce genre de move tu les prends pas quand t'as un shutdown sur ton crâne. Ouais. Et vu que j'avais plus de shutdown, bah. Ah, t'avais plus de shutdown là? Bah, il me semble que. Enfin, 150 gold, tu vois, ça va. C'est pas comme si j'avais un big shutdown à 700 ou quoi. Ouais, ouais, ok, je vois ce que tu veux. Bah, autant tenter, ouais. Bah, après, c'est aussi pour la vidéo, tu nous régales. On va chercher. Oh, oui, bah oui. Normal. Y'a bot, il se passe des trucs, je vais aller les rejoindre. Je crois qu'il gagne, hein. Ouais, mais y'a peut-être. Y'a le Karim qui va décaler, ouais, c'est sûr. Juste, je me positionne dans la river, KO. Y'a le, s'il est là, il va passer, non? Il est chiant ce Malz. Ok. Oh. Il a encore son ulti. Ah. Bien joué. Merci Arturion pour le sub. Putain, tu fais des trucs que je comprends rien, mec. Je comprends rien à ce que tu fais. Voilà, ce que je fais, c'est un peu de l'harcèlement. Mais.
Le R, putain, je pensais que t'allais mourir, ça va, tu t'en sors en vrai. Bah tant pis, tu prends des golds, tant mieux. Akali, oui, presque, tant que t'as des golds, tout va bien quoi. En fait, t'as un truc que je pourrais faire, ce serait une QSS, mais. Ah, ce serait le truc, c'est que j'ai des APM d'enfants de 8 ans, du coup, bah. Je vais jamais avoir le réflexe d'appuyer sur QSS. Surtout quand t'as pas l'habitude de le jouer. Hein. Tu sais qu'au début, ouais, quand j'ai. Les premières fois que j'ai commencé à jouer Lilia et tout, j'avais pas l'habitude de jouer le Zhonya, tu vois. Ah ouais, et ouais, bah. À chaque fois. Je comprends exactement, ouais, pareil. Quand j'ai commencé à jouer des AP. Je me rends pas compte les dégâts que tu fais là. Oula. Mais what the fuck? Ah, okay. Cassanté, il littéralement me one shot. Je vais te faire dire fou. Ah ouais. Je m'attendais à mieux que ça quand même là, sur ce move. Moi aussi, honnêtement, moi aussi. Peut-être qu'il aurait fallu que tu t'empoles l'ulti, non? Bah ouais, mais je pensais que j'allais pouvoir one shot Ekari mais me barrer avec la smoke. Sauf que je pensais vraiment pas prendre autant de dégâts de Cassanté. Putain, t'as fait. Ouais, j'avoue, il a fait plus de dégâts que le Ekarim, alors que le Ekarim est full AD. Après, Cassanté est full AD aussi. Enfin, il a quand même une brillance quand même. Ah oui, bah oui, pardon. C'est vrai qu'il a une brillance, mais c'est my bad. Ok. Voyons voir, petit rat. Est-ce que tu l'as tout troll là? Oh là, il est tellement perdu d'HP en plus. My dream. Hein. Ok, frère. Bah oui, c'est logique ce que tu viens de faire, j'ai capté en fait. En fait, là j'ai fait le plus safe possible. Ouais. En fait, si je le. En gros, si je le R2 sans avoir de points pour revenir, bah je serai sous la tour et je vais mourir la tour. Tu penses que tu peux. Attends, mais tu peux peut-être prendre tes deux là, ce serait huge. Ouais, c'est ce que je vais faire. Le truc c'est qu'en fait les teamfights sont vraiment compliqués avec Cassanté. Ouais, le Cassanté est vraiment pénible, ce qui est bien fini. En fait, il peut me cancel tous mes dash limite. Ah là, le champion, j'ai pété un plan. Après là, cette tour elle te met tellement devant, mec. Ouais, mais bien de fou. Entre les kills et ouais, 700 gold là que tu prends. Ouais, cette game, j'ai pas fait d'effort au niveau du farming là, normalement. Presque le double. Y'a des gens quand même qui disent que Akali c'est pas skill, on va pas se mentir, c'est quand même solide. Je préfère qu'on me force à apprendre Aphelios plutôt que ce qu'ils viennent de faire. Mais mec, je n'ai rien compris à ce que. En fait, ce qui est terrible, c'est que je te vois faire des moves. Je me régale de te regarder faire des moves, mais je ne comprends rien à ce que tu fais. J'ai peur de l'ultime Alzar. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le jeu. Sauf si il est éloigné comme ça. Ah, bah, ou alors qu'il fait ça. Pas mal. C'est mon carry, je suis obligé de le défendre. Oh, t'es tellement huge. Oh, tu manges tellement mon frère Yoka. Non, reviens. Oh, c'est dur. Putain, t'as tête. Cassanté. Cassanté, problème. Ouais, Cassanté est vraiment feed. Après, au pire, tu le skip, non? On va se battre ici. Par contre, tu manges tellement, mec. Tu manges tellement dans la game. Moi, j'ai raté mon E, je pense que si j'avais pas raté mon E, j'aurais pu tuer Nautilus derrière, mais... En fait, j'essayais surtout de montrer les limites du champion. Ah oui, bah là... Oh, tu sais que je me régale, hein. Je te vois jouer, là, depuis tout à l'heure. Okay. Bon, même problème, Malzar. Il est mort, hein. Bah, okay, il est très... Oh, le Cassanté. Voilà. Oh, what? Tu pétais un plomb. Okay. Je t'ai même pas vu toucher le Twitch, je vais péter un câble. Je t'ai même pas vu le toucher. Oh là, lui, il est mort. Oh, Penta. Oh. My dream. Allez, ce dentiste. Non, il va pas jouer, c'est une petite oh, salope. Oh, le chien. Oh, le chien. Petite salope de dentiste. Petite salope. Parce que tu leur as mis quand même dans le teamfight, mec, c'est abusé. Le truc, c'est que oh, le gamin. Après, là, t'as ton troisième item, mec. Ça va être très grave, la game, là. Oh oh. Ok. T'es tellement feed, mec, je vais péter un plomb. Ouais, là j'ai back du coup. Tu vois, en fait, le truc c'est que je n'ai pas le droit de rentrer dans le teamfight. Tant qu'il n'y a pas l'ultime Alzar qui a été claqué, ouais. Tant qu'il n'y a pas l'ultime Alzar et tous les problèmes claqués. Ah. Lui déjà il est mort. Putain mais... C'est un fou furieux. Ok. Par contre lui il tank comme si que c'était... Ah c'est une folie. Ok. Wow, les dégâts que tu mets même à travers le mur. Oh, c'est dur. Après, frère, là, c'est dur. Oh!
Dommage. Le problème, c'est que Xin, il s'est suicidé. Tu t'es pris le R, hein, tu t'es pris le vieux R Nautilus. Vieux R maudit. Pas vraiment ce que tu leur mets avec des Q-spells, mec. T'as mis quand même un mec une dash pay avec un Q-spell, ça le met très bien. Tu vas finir par un petit Zonia ou... Bah en fait, le truc, c'est que... Comment les fights sont rapides. Bah ouais, dans tous les cas, si tu grind, t'es mort. Zonia... Donc, est-ce que le Zonia est vraiment intéressant? Le temps que je dis Zonia, ma team est... Par contre, lui, je pense que tu l'oblitères. Ah bah, on va... On va voir, hein. Ah. Je pense que lui, il me délète. Ah ouais putain, what the fuck. Ah ouais quand même, ouais mais t'es quand même mort. Quel champion de Golemon putain j'en peux plus. Les dégâts qu'il met. C'est une folie, quel champion de merde. Hein. Ta team elle est abominable. Qu'est-ce qu'il... Bon je crois que c'est l'os là. Ouais ouais je pense que c'est quoi, ça va être compliqué. Ça pue. En part sur quoi là, c'est un petit... Rabadon ça se fait sur Akali ou c'est de la merde? Non ça se fait ouais, en last. En vrai, petit Rabadon pour finir. Histoire d'avoir... T'as combien d'AP là? Je crois que la game est finie là. Non, ils finissent pas je pense. Ah, en vrai, ils finissent quand ils veulent hein. Attends, ta team elle est comment là? Je pense c'est chaud. Ah, ça se fait hein. Ah, ça se défend en vrai. Ça se défend, ça se défend, ça se défend. Je pense que ça se défend, ok. Ok, l'espoir. Oh, Et on va essayer de tempo, on va essayer de jouer avec eux. Ok, bien joué. Je vais te montrer une demi-seconde. Ok. Ok, huge. Après, ouais, frérot, tu prends tout. Ouais, fais ce qu'on veut. T'as pris ulti. T'as pris ulti Nautilus, ulti. Ulti Malzar, mec. Mais très bien. Bon. En vrai, c'est le game, c'est my bad, j'aurais pu la gagner si j'avais joué. Non, en vrai, la game, elle est quand même trop bien, mec. On voit tous les dégâts du champion. On voit, tu sais quoi, je crois que c'est même mieux qu'elle soit comme ça la game. C'est parce qu'au moins on voit les dégâts du champion, on voit les limites du champ, on voit quand même tout en fait, tu vois, je trouve ça super intéressant. Ouais, en vrai, de vrai, si j'avais porté moins mes couilles, j'aurais pu gagner cette game. En fait, au bout d'un moment avec Akali, plus t'es feed, moins. Enfin, même moins, moins t'as le droit à l'erreur, mais mec, t'as fait des dagues moins... de zinzin, on s'est régalé, c'est pas grave. Moins tu dois prendre des risques. De toute façon, tu le sais que je mets pas que des wins, je m'en branle, ça m'intéresse pas de mettre que des wins. Frère, là c'est une belle game, gros, tu joues avec des peintres, gros, VKR, Wolo et J-But, gros, ils étaient abominables. Ouais. Ils étaient abominables, on va voir les dégâts que t'as fait dans la game. Franchement, on a le chat, il valide de ouf, la game est bien. Ah, frère, c'est bon. T'es mal aimé que t'as avec toi, gros, j'ai pété un plomb. We'll be right back.